chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 4, verset 6, du nom de Jésus. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Mon peuple périt faute de connaissance. Comme tu as rejeté ma connaissance, c'est l'Éternel qui parle. En faveur de ta connaissance, je vais te rejeter de mon sacerdoce. Je vais rejeter aussi même tes enfants. Vous savez, peuple de Dieu, quelqu'un qui refuse la connaissance divine est rejeté de Dieu. Alléluia! Aujourd'hui, dans les églises, tout le monde le sait. Moi, je connais de cette façon. Moi, je connais de telle manière. Moi, je connais, faut faire cette virgule. Moi, je connais, faut monter comme ça. Moi, je connais, faut prêcher comme ça. Moi, je connais, faut faire cette virgule. Mais ce n'est pas ce qui compte. L'Éternel parle. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance divine ne viendra pas de Jean-Félix, mais la connaissance divine vient de l'Éternel lui-même. L'Éternel parle ici. Il dit, si tu ne veux pas la mienne et que tu pratiques la tienne, tu seras rejeté de mon sacerdoce. Non seulement ça, même tes enfants seront rejetés. Vous savez, aujourd'hui, dans des églises, même si vous regardez bien des églises, vous allez voir, ils ont pris la connaissance des Congolais, la connaissance des Angolais, la connaissance des Tchadiens. Si vous allez dans une église dont il y a plus de Tchadiens, ils vont appliquer leur connaissance. Si vous allez dans l'église dont il y a plus de Martiniquais, ils ont appliqué leur connaissance martiniquaise pour dire, c'est que notre église, nous sommes des Martiniques. Notre église, notre connaissance de Martinique, c'est comme ça. Nous allons faire des choses de Dieu comme ça. Dieu parle. Si tu pratiques ainsi, à la place de Dieu, tu seras rejeté de son sacerdoce. Beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu sont péris à cause de connaissances. Par manque de connaissances divines, beaucoup des enfants de Dieu, ils se disent ils sont de Dieu, ils se disent ils sont avec Dieu, mais ils pratiquent aussi la sorcellerie, ils pratiquent aussi la coutume, ils voient aussi des féticheurs, ils rencontrent aussi des marabouts, ils font des alliances avec des démons, ils font des alliances avec des esprits. Est-ce que vous connaissez la connaissance divine? Est-ce que vous pratiquez ou nous pratiquons la connaissance divine? Alléluia. Et la Bible me dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu te parle aujourd'hui, toi tu ne périras jamais. Car la vraie connaissance de la parole t'est destinée. Car la vraie connaissance de Dieu, Dieu a besoin de toi, que tu puisses comprendre la vraie réalité de la parole. Pas des connaissances des hommes, mais la connaissance de Dieu lui-même. La Bible dit, mon peuple périt. Dieu est en train de se lamenter par manque de connaissance. La connaissance divine est très importante. Alléluia. Je vais donner un exemple. Regardez, je vais donner un exemple. Soyez avec moi. Alléluia. Qui connaît Jean-Félix? Soyez avec moi. Personne ne me connaît ici. Oh, vous n'êtes pas avec moi? Mais manifestez, soyez dans la joie. Alléluia. Qui connaît Jean-Félix? Toi, tu ne me connais pas? C'est vrai? Alléluia. Voilà la connaissance. La connaissance donne l'assurance à celui qui est avec Dieu. Je suis avec Dieu et je connais mon Dieu. Nous avons appris une chose ici dans cette assemblée, que mes brebis connaissent ma voix. Ils attendent ma voix et ils me suivent. Si tu as l'assurance que tu es dans le véritable, que tu es dans le meilleur, donc c'est-à-dire, tu connaîtras la voix de ton Père, tu connaîtras la voix de ton Créateur, d'autres connaissances ne pourra pas te bousiller, parce que la terre aujourd'hui est remplie de plusieurs connaissances. Le diable a dit, si vous mangez cette fruit, vous allez devenir comme des dieux. On n'est même pas devenu comme des dieux. La malédiction nous a suivis, la mort nous a suivis, la souffrance nous a suivis, toutes sortes de misères. Je te dis, peuple de Dieu,
Je me lève ici étant qu'un homme de Dieu pour t'avertir. La meilleure connaissance ne viendra pas de l'homme, mais viendra de Dieu lui-même. C'est pour cela que Dieu se lamente. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Connaître la vérité, parce que la vérité fera en sorte que tu entres en liberté. La vérité fera en sorte que tu laisses des pratiques diaboliques, tu laisses des pratiques, aller voir des sorciers, aller vous tirer au sort, aller regarder les horoscopes, aller visiter les charlatans. La connaissance de Dieu fera en sorte que tu sois certain. Tu dis que je connais l'Éternel, je connais le Dieu qui j'ai pris. Celui que j'ai pris, il se lèvera, il agira. Moi je le connais, je n'ai pas de doute, je ne doute pas, je ne t'attends pas. Comme je connais Jean-Félix, je connais mon Dieu plus que Jean-Félix. Parce que celui qui connaît ainsi ne pourra en aucun cas être bousillé, ni sa connaissance bousillée. Si il y a des gens, vous savez, ça fait un peu pitié des fois. Vous allez voir des gens qui sont visités, des gens avec la Bible et des témoins de Jéhovah. Ils font leur dessin imaginaire de paradis. Ils disent voilà comment ça va être. Il met beaucoup de couleurs. Il ajoute des couleurs, des couleurs, des couleurs, des couleurs. Avec des hommes, des noirs beaux, des blancs beaux, des jaunes beaux. Il dit ce sera le paradis. Il te dit voici la vérité que je t'amène dans ces papiers. Le paradis ne sera pas au ciel, mais le paradis sera ici-bas. Peuple de Dieu, vous êtes séduits parce que vous regardez les hommes, mais pas l'Éternel lui-même. Jésus avait l'assurance. Il dit, ma doctrine n'est pas de ces gens-là. La doctrine ne dépend pas de vous. Celui qui m'a envoyé lui-même, c'est de lui que je respecte cette doctrine. Ce n'est pas des hommes. Je n'ai pas besoin de mettre l'équilibre. Comment ça se passe dans telle église? Et nous aussi dans notre église, nous allons trouver l'équilibre pour voir. Tu vois passer des gens là-bas et ils ont joué un match de football. Mais nous maintenant, on va organiser un zango. On va jouer un zango. Nous là-bas, nous ici, voilà ce qu'on va faire. On va appeler nos enfants, ils vont danser, faire des danses. Écoutez ma peuple de Dieu, ce sont des connaissances. Mais je te pose la question, est-ce que c'est la connaissance de Dieu? Je te pose une deuxième question. Est-ce que c'est la doctrine de Dieu? Des gens voulaient savoir quelle est la doctrine de Jésus. Il dit, de celui qui m'a envoyé. Parce que vos doctrines sont déjà modifiées. Vos doctrines, le diable a déjà entré. Vous savez, il y a des gens, même dans l'église, le diable vient, il impose. Il impose. Il y a des églises, même des grandes églises, qu'on appelle les églises blés. Donc ça dit, celui qui domine, celui qui donne l'ordre, ce n'est plus Dieu, c'est l'ennemi lui-même. Peuple de Dieu, je te parle aujourd'hui, soyez dans l'assurance que je connais le Dieu que j'ai pris. Et je ne dois pas respecter la doctrine des hommes, mais la doctrine de Dieu. C'est pour cela, Dieu a dit à Josué, l'Éternel a dit à Josué, Josué, tu veux réussir après Moïse? Voilà Moïse qui vient d'échouer. Tu veux réussir toi aussi. L'Éternel lui a présenté. Il dit, ça, c'est ma connaissance. Tu veux avancer, faire des choses mieux que Moïse. Voici ma connaissance. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Médite les jours de nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu seras élevé à Saint-Brieuc. C'est alors que les gens à Saint-Brieuc seront étonnés. C'est alors qu'en France, ils verront que tu connais Dieu. C'est alors qu'en France, ils verront que ton Dieu est réellement vivant. C'est alors que les gens vont savoir. Il dit que c'est fini, toi tu commences. C'est alors que les gens vont savoir que toi tu ne tomberas jamais. C'est alors que les gens vont savoir, même l'ennemi, le diable, même le rêve réunion, il saura que celui-là, nous ne pouvons pas le toucher. Parce que la connaissance de Dieu est sur lui. C'est le plus important à comprendre. Déjà aime la parole. Ésaïe. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40 verset 28. Nous aimons tous la parole de Dieu. Si tu aimes la parole de Dieu, dis Amen.
Je n'ai pas entendu. Si tu aimes la parole de Dieu, dis Amen. Ésaïe chapitre 40, verset 28, je lis au nom de Jésus. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé l'extrémité de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Amen. Tu n'as pas appris cette connaissance-là. C'est le Dieu de l'éternité qui a créé l'extrémité de la terre. Tu n'as pas appris ça. Il ne se lasse pas et il ne se fatigue pas. La Bible quelque part dit, il ne dort ni ne sommeille. Tu n'as pas appris. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu es fatigué? Pourquoi toutes tes connaissances t'affectent? Il te rappelle une chose. Tu n'as pas appris l'instruction que c'est le Dieu de l'éternité qui a créé toutes choses. Alléluia. Je voudrais te dire, si tu es dans la connaissance de Dieu, Dieu ne sera pas fatigué pour ton problème. Si tu te rappelles qu'il a créé toutes choses, même l'extrémité de la terre, le Dieu de l'éternité, il ne te laissera pas tomber. Tu as oublié cette instruction-là. Il te rappelle aujourd'hui la connaissance divine. N'oublie pas, j'ai créé même l'Australie, même des petites îles qui sont là-bas, j'ai créé. Et je ne me fatigue pas. Je ne te laisse pas. Il dit, revenez dans cette instruction-là. La connaissance divine fait en sorte, celui qui est avec Dieu, n'oublie pas des souvenirs éternels. La connaissance de Dieu fait en sorte, même si les autres parlent, tu attends un seul voix, celui de l'Éternel. Il te rappelle, n'oublie-t-il pas, j'ai créé l'extrémité de la terre. Je vais te dire, si tu as la connaissance de Dieu, comme lui, il ne se fatigue pas. Il est le Dieu de l'éternité. Il ne dort pas. Il ne se fatigue pas. Il dira aussi dans ta vie qu'il est tout noir, que la lumière soit. La Bible me dit, lorsqu'il a dit, la lumière soit et la lumière vit. Sa parole n'échouera jamais dans ta vie. C'est pour cela que tu as besoin de la connaissance. La connaissance fera en sorte, lorsque les gens commencent à dire le contraire, lorsque les gens commencent à te déclarer, fatigue-toi, Dieu t'a laissé. La Bible m'apprend, des gens qui ont la connaissance de la parole, même dans la souffrance, ils n'abandonnent pas Dieu. Des gens qui ont la connaissance, ce n'est pas la souffrance qui va les séparer de l'amour de Dieu. La Bible m'apprend que Job, même sa femme, a changé de doctrine. Il dit, tu souffres trop, il faut insulter Dieu et mourir. Lui, il a dit, moi, je ne peux pas insulter Dieu. Et il savait, il avait la connaissance divine. Il dit, je sais une chose, mon Rédempteur se levera le dernier. Alléluia. Je te parle de la connaissance divine. La connaissance peut fuir le diable. Ce jour-là, lorsqu'il a dit ces mots-là, malgré il avait la souffrance, malgré il avait des problèmes, il a dit une chose. Il dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Même sa femme a reculé. Même les démons ont reculé. Même le diable a reculé. Même sa maladie a reculé. Dieu savait que dans la vie de Job, il avait la connaissance divine. C'est pour cela qu'il a donné l'ordre. Il dit, visite-lui. Va voir mon fils. Va voir mon serviteur. Lui, il ne m'aime pas seulement pour la bénédiction. Lui, il ne m'aime pas seulement pour la guérison. Lui, il ne m'aime pas seulement pour les bâtiments. Lui, il ne m'aime pas seulement pour des papiers. Mais lui, il a l'amour pire. Il me connaît. Il me connaît. Je lui connais aussi. Je le connais aussi. Tu peux aller nous visiter. Tu peux aller nous voir avec la pauvreté. Tu peux aller nous voir avec des problèmes.
Lui, il s'en fout. Ça ne lui regarde même pas. Parce qu'il n'est pas concerné. Il me connaît. Je lui connais aussi. J'aimerais te dire, Dieu se lève dans ta vie. Quand Dieu se lève, aie confiance, aie la connaissance de Dieu. C'est des problèmes qui vont commencer à reculer. C'est des démons qui vont commencer à reculer. C'est la maladie qui va commencer à reculer. C'est la pauvreté qui va commencer à reculer. Parce que Dieu se lève. La Bible me dit, lorsque Job a reçu cette épreuve, à cause de la connaissance de la parole de Dieu, Job a reçu cette épreuve. Dieu lui a béni comme personne ici-bas. Dieu lui a donné des enfants comme personne ici-bas. Dieu lui a fait encore comme personne ici-bas. Je te dis aussi, si tu as la connaissance divine, Dieu fera aussi en toi comme tu n'as jamais vu. Ce que tu as vu, ce n'est qu'un début. Parce qu'il est capable de faire toutes choses. Il appelle la lumière. Il appelle de nouvelles choses. Il amène des changements. Il donne à la limite que tu ne crois pas.